Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! Bon, quand je dis un petit pack opening, hein, tout est relatif, hein, on va pas se le cacher. Non mais regardez-moi ça, on a un coffre épique, un coffre légendaire les gars. On a forcément une légendaire de n'importe quelle arène. Donc, on va commencer tout de suite par le coffre d'argent. C'est parti, hop là. On commence petit, vous inquiétez pas. On va finir par le coffre légendaire. Ah ouais, en tout dernier, moi je suis un fou moi. Donc 50 d'or, ça fait bon, ça fait plaisir, ça va. Une pierre tombale. 8 barbares. Alors je tiens à vous prévenir que pour le coffre à couronne, enfin le coffre à couronne, qu'est-ce que je dis, pour le coffre légendaire, je vais pas avoir une épique réaction quoi. Je sais très bien que je vais avoir une légendaire quoi. À la limite j'aurais, si j'ai la princesse, à la limite je fais ouais j'ai la princesse, youpi, mais je vais pas me forcer à faire je sais pas quoi. Non, c'est généralement c'est quand je suis surprise et wow, putain. Mais sinon ouais, je vais pas me forcer à faire Bon alors juste 3 mousquetaires. C'est pas trop mon kiff hein. Moi je trouve que ça coûte trop cher. Enfin, c'est une bonne carte, hein, tant mieux qu'elle y est, mais ouais, Tesla, c'est pour, j'arrive pas à utiliser, c'est un truc fou. Mais au niveau des mousquetaires là, je sais pas, tu vois, il y en a 3, il y en aurait eu 2 à la limite, 2 pour seulement, je sais pas, 6 élixirs par exemple, ou je sais pas, mais bon, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc 71, à comparer à 3, c'est enfin, pour les placer, mais une fois que tu les as placés et que... Et qu'il les contre pas facilement. Wow, il se fait défoncer le mec. Oh, bon, du coup, 2 gemmes. Une sorcière. Oh, ça va, c'est sympathique une sorcière. Mais qu'est-ce que je dis, mon gars? Mais non, c'est un dog, je suis désolé. Veuillez m'excuser. ne me tapez pas, s'il vous plaît. Non, mais ouais, un sorcier plutôt. Non, je suis un peu fatigué, donc. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Non, mais me tuez pas, s'il vous plaît. Non, mais alors, 8 mortiers. Alors, par contre, j'ai envie de te dire. Hein? Bon. Comme ça, là. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu le coffre d'or. Tu vois, non, tu vois que le coffre d'or, lui, par contre, il va mettre la patate. Lui. Putain, vas-y, c'est quoi, ça m'a saoulé. Non, mais si, ça m'a saoulé. Non, mais j'ai un casque sur moi, sinon, il m'a saoulé, tu vois. On oublie le coup du casque, parce que je voulais mettre de la musique, tu vois, histoire de m'ambiancer. Mais non, c'est mort, c'est mort. Donc, 190 d'or, parce qu'après, je suis mal à l'aise, tu vois. T'as vu comment j'étais nul, là. Ouais, t'as vu ma chaîne. Wow, hop là, tu bouges ton, hein. Il y a quand même 2 bons coffres à ouvrir, mon petit. Faut que tu ouvres ta grande bouche, là. Alors, 2 électrocutions, ça fait plaisir. 5 barbares, ça fait plaisir. 19 gobelins, mais what? Mais c'est génial, Et... Oh! Tu sais combien de temps on met pour avoir 3 Valkyries? On met 8 heures pour avoir 3 Valkyries, mon bébé. T'imagines? Ah, c'est bon. Eh, d'ailleurs, c'est le temps que ça met le coffre d'or à s'ouvrir et tout. C'est génial. Regardez. Je vais vous prouver qu'on met 8 heures. Bon, bah non, je risque pas de vous prouver là. Mais en gros, dès que tu demandes une carte, c'est tous les 8 heures, tu vois. Donc, du coup, bah, tous les 8 heures, je demande 3 cartes de Valkyrie parce que je suis à Arène 7, c'est pour ça. Donc, du coup, on va ouvrir le coffre d'or. Regarde. Il reste 9 à avoir là. Allez, hop, coffre à couronne, je veux dire. Coffre d'or, qu'est-ce que je dis moi? 420. Oh là là, mais à chaque fois que je vois ce chiffre là, c'est. Oh. Et vous savez quoi? J'ai vu sur la mise à jour avec Vosketal, j'ai vu qu'on gagnait 20 000 d'or dès qu'on ouvre un coffre. Un coffre légendaire et 10 000 dès qu'on gagne un coffre épique. Donc 3 archers. Franchement, on va pas se le cacher, les archers, ça fait toujours plaisir. 6 extracteurs d'élixir, je m'en intéresse pas. Eh, c'est pas mal dit comme ça. Hein. 48 chevaliers et un petit. Enfin, une petite. Carte épique. Voilà, j'ai eu du mal. Hein. Oh là là. Hein, bon. Alors, ça. Tu vois, c'était genre 10% du pack opening, là, ce qu'on a ouvert. Ah ouais, maintenant, il reste 90%. 40% ici et 50% ici. Ah bah, attends. On est des bons, nous, hein. Alors, on va l'ouvrir ou pas? On va l'ouvrir ou pas? Allez, on clique! Ah, c'est... Oh, yes! Wouh! T'aurais pu m'en donner plus, quand même, espèce d'enfou. Tu m'as compris, quoi, hein, voilà. Espèce de fils de... Ah, tu m'as compris aussi. Espèce de gros... Non, je déconne. Non, mais ouais, ça fait plaisir, j'ai débloqué. Vous savez quoi, je vais mettre le... Ouais, je vais le mettre. On se fera un petit deck avec. Alors... Oh là 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 là. Je m'en fous. Du coup, ça aurait été que mon compte principal, j'aurais été... Enfin, un compte secondaire, je veux dire, j'aurais été content, mais là... Elle sort de gel. Ouais, je sais pas. Non, j'aurais préféré le ballon. Hein, le ballon, ça aurait été pas mal, mais le sort de rage et le ballon, j'aurais préféré les deux là, effectivement.
Mais ouais, il aurait pu me donner plus de ténébreux. Mais là, après, on va me dire, oui, mais tu sais, quand on n'a pas encore la carte, on peut en gagner que une à la fois. Enfin, on peut gagner que une pour la débloquer, c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas faux ce que tu dis. Mais bon, voilà, hein, je m'en fous, moi j'en voulais plus, quoi. Bon, alors du coup, le truc, c'est que... Ah, je sais pas quoi... Ah non, fils de... Pourquoi sur toutes les cartes légendaires qu'il y avait, sur toutes les cartes légendaires qu'il y avait, le team donne un molosse de lave. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein? Non, parce que le molosse de lave, t'as vu qu'il m'en faut encore 3 de plus si je veux l'améliorer, donc ça me sert strictement à rien d'en gagner une, tu vois. J'aurais préféré avoir une nouvelle légendaire, donc du genre, je sais pas moi, la princesse. je dis ça comme ça, hein. Et puis, pourquoi pas aussi, sinon, au pire des cas, gagner un petit sorcier de glace pour l'améliorer niveau 2, ça m'aurait pas dérangé. Bon, par contre, si j'aurais gagné une bûche, j'aurais été encore moins content, parce qu'il faudrait peut-être pas se foutre de moi non plus, hein. Parce qu'une bûche, la bûche, c'est même pas une carte, c'est quoi, c'est la bûche, c'est un jouet, la bûche. C'est pas une carte, c'est... Voilà, c'est hallucinant. Bon. Vous avez vu un petit bug là, regardez, hop, et vous avez vu encore le truc derrière, c'est hallucinant ça. Bon voilà, donc du coup, moi je vais faire un petit deck, et puis je vais vous dire à tout de suite pour attaquer, c'est parti. Et c'est parti, on est contre Ilviking Go. Wow, c'est quoi ton nom de là? Attends, on va mettre ça, voilà, on sera tous contents. Ouais, youpi. Alors juste, attends, je vais réussir, 2 secondes. Juste 2 secondes, je suis en train de me faire défoncer là. Oh, mais comment je suis en train de me faire. Mais continue pas gros, j'envoie ça et tu me saoules pas là, tiens, voilà, hop là, tu m'as saoulé. Donc, il Viking O 989. Ah ouais, non mais attends, l'autre il met Viking Go, tu vois, il pourrait pas faire Viking Go. Non, il faut qu'il fasse Viking O, tu vois. Waouh. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va envoyer du molosse de lave. Tu l'auras pas, ma tour. Tu l'auras pas, mon gars. Le mec, il l'aura pas, c'est pas possible. Alors juste, par rapport à la légendaire que j'ai eue, je suis quand même un petit peu déçu, on va pas se le cacher. Étant donné que j'aurais pu avoir beaucoup, beaucoup de légendaires différentes, je suis à reine 7. C'est quand même pas rien, hein. C'est juste une seule légendaire que j'aurais pas pu avoir. Donc il y a quand même 3 autres légendaires, 4, 5. 5 autres légendaires différentes que j'aurais pu avoir. C'est quand même énorme. Non, lui, il me fout la légendaire que j'ai déjà un max, quoi. C'est génial, dis donc. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, ça. Hein. Donc, on va mettre ça. On va mettre le petit prince ténébreux, tranquillou. Voilà. Bon, normalement, ça doit le faire, étant donné qu'il a des hordes de gargouilles et qu'il va m'exploser en zone chrono, mais ça, c'est pas très grave. Non, il me met pas... Bon, ok. Ouais, j'avoue que ça suffit, le petit géant, comme ça, tranquillou. On va juste mettre ça, histoire qu'il me casse pas la tour, quand même, parce que, bon, je suis pas là pour qu'il me casse la tour, tu vois. Voilà, donc juste qu'il faudra un petit peu se dépêcher, quand même. Si possible, ouais, ça, c'est déjà bien. Ok, ouais, ça va. Franchement, ça fait plaisir. Alors, juste, il y a moyen quand même de un minimum. Oui, je suis génial, les gars. Mais regardez-moi ça là. Oh là 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 là. Mais non, gros, tu l'auras pas, ma tour. Tu l'auras pas, mon petit. Tu l'auras pas, ma petite tour. Tu l'auras pas, ma petite tour. Tu l'auras pas, ma petite tour. Boum. Hop là. Est-ce qu'il y a moyen que tu tues tout ça? Oui, ça tue tout ça. Ça tue tout ça, mon gars. Oh, je vais lui péter la tour. Regarde, il arrive même pas à me tuer la tour, mon gars. Non, et je lui casse la tour. Mais c'est un truc de malade, mon gars. T'as vu ce combat? Mais non, tu l'auras pas, ma tour. C'est mort, ma tour, tu l'auras pas, c'est mort. Je m'en fous, ma tour, tu ne l'auras pas. Eh ouais, mon gars. Non, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Oh, tu peux pas jouer comme tout le monde. Mais de toute façon, je m'en fous, je t'explose, mon gars. Ah, mais ouais, mais gros, mais attends, t'as cru quoi, toi? T'as cru que c'était... Je sais pas quoi, t'as cru quoi, franchement, dans ta tête, là, tu t'es dit peut-être que je vais avoir une chance comme... Non. Hein, non, bah non, depuis tout à l'heure, t'as même pas réussi à toucher ma tour, t'as vraiment cru que t'allais avoir une chance. Ah là là, t'as fait que hâter ta mort, c'est tout, hein. Je suis désolé, hein. Ah, regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça, il est mort, le mec, il est mort. Et bim, voilà, c'est fini. C'est fini, mon gars. C'est fini. Chut, hop là, moi, j'ai fait mes preuves, tu fais ce que tu veux. Voilà, avec... Oh, putain, mais oh, je suis désolé, mais là, le petit gros mot... C'est normal, quoi, c'est...
Oh, il y a un moment, faut se libérer, bordel, hein. Oh, mais c'est génial, coffre magique. Bon, la prochaine fois, il y aura un petit coffre magique. Ah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ah, c'est bon, ça. Et bien, en ce moment, les coffres, ça y va, hein. Ça, c'est bon, ça. Bon, on est contre... je veux dire, au début, l'autre, il m'a énervé, tu vois, avec son nom, là, c'est impossible à dire, parce que, je sais pas, c'est entre, tu vois, Viking et Go, tu vois. Ah, t'hésites et tout, tu sais pas quoi mettre. Est-ce que c'est Viking Go ou Viking O? Tu sais pas, ça m'a énervé. Du coup, le mec, il dit, ah ouais, tu m'as mis défaite dès le début? Et bah alors là, tu vois, il restait 14 points de vie. Je lui ai dit, toi, tu toucheras pas ma toi. Eh, mais non, mais moi, j'ai toujours été aussi bon, de toute façon, hein. Il aurait pas eu de flèche? Mais laisse tomber, il aurait pas pu la toucher. Non, mais bon, c'est trop facile. T'envoies des flèches et boum, tu vois, c'est, oh, mais trop facile. Bon, allez, j'arrête. Bon, allez, moi, je vous laisse sur ce, pour une deuxième attaque, bien entendu, on va pas se quitter là non plus. Et donc, du coup, bah, tout de suite. Ok, faut vraiment que j'arrête de parler, quoi. Allez, c'est parti, on est contre Kalidozo. Non, mais ça m'énerve, mais je m'en fous de ta vie, moi. Ah oui, tiens, oui. Bonne chance, voilà. Donc, alors... si ça c'est de gâte... Non, mais je me fais victimiser, ça fait au moins 4 ou 5 fois. Ça, c'est toujours pareil, hein. J'augmente en trophée. Après, je me fais victimiser. Après, bah, du coup, bah, je gagne. Donc, je remonte en trophée. Après, je me fais victimiser. Après, bon, tu m'as compris, quoi. Ouais, non, mais bon, moi, j'ai autre chose à faire. Moi, franchement, j'ai pas mal de choses à faire. Me faire victimiser par des mecs qui savent même pas jouer, moi, ça m'énerve, tu vois. Voilà. Bon, certes, moi aussi, je sais pas jouer, mais malgré tout, j'en ai marre. Non, mais ouais, mais c'est saoulant. Franchement, j'ai autre chose à faire. Franchement, non, mais d'attaquer 10 milliards de fois pour à chaque fois ne même pas avoir une seule couronne, ou alors une couronne, j'ai envie de te dire, bon, voilà, quoi. Surtout que la plupart du temps, c'est au dernier moment que je me fais victimiser, hein. Généralement, au dernier moment, tu sais pas pourquoi, hop là, des petits bugs, des petits machins, des nanas, il y a toujours une excuse à la steak. C'est assez hallucinant quand même. Bon, alors du coup, du prince ténébreux, et là, que tu sois au niveau 7 ou pas, il y a pas d'excuse. Je vais t'exploser, mon gars. Pourquoi t'as mis ta sorcière, hein? Ce mec est génial. Ce mec, je le kiffe. Mais c'est même pas, il est génial, ce mec, c'est... Ce mec, il est... C'est un dieu, ce mec, c'est un dieu, il a tout compris. Oh là là, il a tout compris, le mec, il a tout compris, mais... Oh. Et parce que maintenant, il peut plus défendre, maintenant, comment tu qu'il fasse, il a plus de sorcières qui... Qu'est-ce qu'il veut qu'il défende? Oh, c'est quoi tes flèches de... Mais c'est quoi ces flèches que t'as, mon gars? Ça détruit même pas mes... Oh non, mais... Ça détruit même pas mes... Mais gargouille tes flèches, mon gars! Mais c'est quoi ces flèches? C'est même pas des flèches que t'as là, c'est. C'est des cure-dents! Ah bah tu vois, là j'ai eu de la chance, hein! Ah ouais! Mais j'avoue qu'avec ces flèches, il aurait pu quand même bien me faire mal! Ce qu'on va faire, ça va pas être très compliqué, on va envoyer ça. On va envoyer ça quand même. Non, on va peut-être pas envoyer ça. Oh, même pas besoin, tranquillou, voilà, tranquillou. On va envoyer ça, et puis on va envoyer... Qu'est-ce qu'on va envoyer, d'ailleurs? Ah oui, Moss de la... Bah oui, ah mais je suis nul. Je sais même plus jouer. Franchement, il faut m'acheter un cerveau, parce que là... c'est chaud, quoi, c'est chaud. Alors, juste... Oh, ça fait plaisir. Même pas besoin d'envoyer des flèches. Alors, franchement, quand il n'y a pas besoin d'envoyer des flèches, mais j'adore, je kiffe. Eh, le prince ténébreux, je vais peut-être le garder, finalement. Ah, je sais pas, j'aime bien. Ah, je le kiffe. Il a rien de très spécial, à part qu'il fait du dégât de zone, mais je le kiffe. Mais t'es niveau 7, mon gars, c'est normal aussi, je suis niveau 9. Niveau 7, niveau 9, ça devient pas à l'esprit que t'es un petit peu vraiment inférieur à moi. Non, enfin, je sais pas. Ça... Voilà, en plus, avec tes flèches qui tuent même pas en un coup mes gargouilles, là, t'es mort, mon gars, t'es mort. C'est un peu l'objet principal de mon deck, les gargouilles, tu vois, c'est ce qui fait tout. Donc, si tu peux pas détruire ça, t'es mort, hein, donc voilà. Bon... Franchement, pas mal cette attaque, hein. C'est assez délirant quand même, voilà. Après plein de victimisations, ça fait toujours plaisir d'exploser un petit niveau 7 en mode victime. Ah, c'est vraiment pas sympa. Bon, ah, mais qu'est-ce que je te dis, c'est Supercell qui fait ça, hein. Moi, c'est pas de ma faute, hein. Moi, c'est comme ça. Bon, du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que. C'est que je vais vous dire tout de suite pour le coffre à couronne. Bah oui, hein. Allez, c'est parti! Bon bah comme vous le voyez, hein, j'ai que 2 coffres de gagner, donc j'ai gagné que 2 attaques. Eh oui, je vous ai dit, je me suis fait victimiser. Bon, du coup, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le coffre run. T'es parti? Attention, qu'est-ce que ça donne? 411 d'or. Bon bah disons que ça passe bien, bah oui ça passe bien. Et
2 gemmes, ouais, c'est bien aussi, c'est bien. Ouais, non, mais il aurait pu faire mieux, mais c'est pas mal. Donc, 8 squelettes, hein, intéressant, intéressant. Oui, très intéressant, oui, 3 mousquetaires, pourquoi pas. Et 3 boules de feu, oui, tout à fait, ça sent les piques. Non, ça sent le... commune. 44 bombardiers, bon. Là, franchement, faut qu'on remette les règles comme elles sont à la base. Valkyrie, cochon, prince ténébreux si t'as envie, archer, gargouille, horde de gargouille, enfin plutôt ouais, horde de gargouille, de la méga gargouille aussi, voilà des trucs comme ça, tu vois. Hein. Non mais qu'on se le dise quoi, parce que moi, tes boules de feu, tes 3 mousquetaires, je sais pas quoi là, qui sont à 9 d'élixir. Je m'en fous, tu vois, c'est... mais bien comme il faut. Ça, c'est un niveau quand même assez élevé, comment je m'en fous, tu vois. Non, mais on va pas se le cacher, je m'en fous. Non, mais c'est bien les bombardiers, hein. Mais bon, voilà, j'utilise pas, quoi, et je préfère garder ce deck vraiment le plus longtemps possible. Attends, je viens de me rendre compte d'un truc, là. Mais j'ai rien gagné, moi. Regardez, je suis à 12 000. Pourquoi j'ai rien gagné? Pourtant, sur la mise à jour, là, avec Vosketal, on gagnait des sous, là, oh. C'est hallucinant, ça, hein. On se fout de moi, en plus, là. Non mais bon, il était arène 8 je crois. Mais bon, ça, c'est temps entre arène 7, arène 8, arène 8, il y a pas quand même une grosse différence. Attends, il avait 10 000 or en tout quand il était avec le coffre épique, et il avait eu 20 000 or avec le coffre légendaire là, je comprends pas. Franchement, allez vous faire. Mais bien, voilà hein. On va pas finir cette phrase parce que bah ça m'énerve. Ah non mais moi les radins comme ça, je... C'est pas Supercell, c'est Radincell. Ah là là, la certaine des. Bon alors du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao et puis n'oubliez pas, restez cool. Même quand vous avez un jeu super radin comme ça. Ouais, faut rester cool. Tranquillou, comme ça, pépère. Oh. Merde, hein. Bon.